Et voici une partie du travail qui va être fait. Salut les gars. Au plus vite. Ça, c'est une urgence. C'est quelqu'un qui veut partir en vacances avec. Puisque moi, évidemment, j'ai des petits délais pour faire les travaux. Et c'est comme partout. Hein. Si t'as une urgence, un machin, et ben. Faut donner un peu plus. Donc ceci va coûter plus de rhum que les autres. Nous avons une TQI avec son petit support pour le téléphone. Un super ESS One Plus. C'est bien, on va pouvoir vous faire le tuto du ESS One Plus. Puisqu'il ne fonctionne pas comme le ESS One. Déjà, il est plus compact. Il a toujours le même souci qu'il faut débrancher sur le récepteur ou sur le courant Y pour aller changer le son. Mais il a par contre plusieurs sons en mémoire celui-ci. C'est-à-dire que en utilisant ici les interrupteurs, vous pouvez changer instantanément le son. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un seul SS, vous pouvez avoir un son de GT dessus, un son de tout terrain, et selon la voiture que vous avez. Vous changez rapidement le programme, vous le branchez dans l'autre. Il suffit de le mettre avec un support mobile, ça va super bien. Ah ouais, dis, ça serait bien aussi. Regarde, tu te le mets sur la radio, puisque il y a dedans, il y a le potard qui fait l'émission des gaz. Donc il suffit de chanter le Y des gaz et de te foutre le machin ici. Comme ça, quoi qu'il arrive, t'as du volume à fond la caisse. Bam, bam, bam. J'y ai pas pensé, mais c'est pas plus mal. Alors, je suis sûr qu'il y a un constructeur qui va nous la sortir, celle-là. Nous savons là dedans, bien sûr, si tu as connu la radio Traxxas, un X-Max à faire d'urgence. Ouh, l'état dans lequel il est. Déjà, je vois la couleur du plastique. Alors, évidemment, vous avez déjà vu des centaines de X-Max maintenant ici. Mais je vous rappelle que les vidéos sont surtout principalement pour les utilisateurs de la machine, les propriétaires. Donc déjà qui voient que son X-Max vient d'arriver, qu'il est à mon avis à froid sur son engin. Voilà, c'est toujours aussi un peu marrant des fois, les gens, les mecs, comme vous me suremballez ça précieusement pour surtout il arrive rien, mais après vous n'oubliez pas que sur le terrain, vous roulez à 65 km/h et des brouettes, et vous fracassez le bordel dans les murs. Je ne pense donc pas que la poste va abîmer plus que vous. Très bien. Alors, on a un petit mot avec. Oui, je sais, vous avez déjà vu certaines choses depuis là-bas où vous êtes. C'est pour vous dire que l'état est affolant. Alors, salut Ali. Comme dit par mail, je t'envoie le X-Max pour que tu effectues la révision, changement des vis rouillées, celles qui sont foirées, ainsi que les roulements si nécessaire. Remplacer le cerveau par un 2085X. Oui, souder l'antenne du récepteur, si on peut. Il a arraché l'antenne, sinon on va le remplacer. Faire un arceau de protection pour Caro. Banzai. Alors, mon petit Steph, l'état de ton X-Max est catastrophique, mon gars. Ça va te coûter un supplément de rhum colossal. Wouhou. Alors, quand vous mouillez votre X-Max, il faut le rincer. Absolument à l'eau claire que vous avez fini et il faut le souffler. Si t'as pas de soufflette, tu mouilles pas ton X-Max, tu le laisses pas comme ça. Parce que ça rouille sur place. Regardez voir l'état de la machine. C'est le mimi, c'est le rara, c'est la mémère. Donc comme on est dans l'urgence, on va pas s'amuser à tout démonter, à tout brosser, à tout remettre à neuf. On va le mettre en pièces, on va mettre les vis rouillées de côté, toutes les vis de côté, parce que elles sont vraiment toutes rouillées. On va sortir ce récepteur, voir ce qu'on peut faire avec le récepteur. Changer le cerveau évidemment au passage,
Vu l'état de rouille et la quantité de flotte là-dedans, il va falloir sérieusement aussi que j'ouvre le moteur parce que je suis un peu inquiet quand je vois la quantité de rouille qu'il y a sur les vis du moteur et autour, en fait, sur le bâti du moteur. Il y a les rotules des suspensions qui ont rouillé, et les axes, il y a tout. Donc pour démonter déjà, ça va mettre plus de temps parce qu'il va falloir y aller au marteau et au burin. Il n'y a plus rien qui bouge. La rotule ne bouge pas sur l'axe. T'as fait le goré? Hein? Bon, c'est sûr, c'est normal, t'as raison, faut s'amuser avec sa bestiole. Voilà, donc il a fait ce que je lui ai dit, il a enlevé les pare-chocs, il a enlevé la carreau, il a enlevé les roues, il m'a envoyé la radio puisque je dois programmer le récepteur et la soundbox. C'est pas triste, je vais pas avoir beaucoup de pause, ça va vraiment coûter très cher en Rome. Salut Steph!